Simon. Poulet. Excuse-moi, est-ce que t'as... C'est mon poulet, je suis à Tokiwoki, prends-moi, prends-moi, je suis bien mieux qu'un CB, ouais. La question que t'es en train de te poser, c'est est-ce qu'il a tiré 5 ou 6 balles? Alors bonjour, ici Jérôme Le Carnec, nous sommes en plein dans le village mystérieux qui ne se situe sur aucune carte et nous allons essayer d'aller visiter les catacombes mystérieuses de ce village. Je ne sais pas ce qui s'y passe, nous allons voir ça tout de suite. Excusez-moi, messieurs. Bonjour, qu'est-ce que vous faites, là? Bah, des cailloux! Mais pourquoi faire? Bah, comment tu crois qu'on les fabrique? Après, ces cailloux, vous en faites quoi? Bah, après, on met dans le gravier. Tiens, t'as déjà eu des cailloux dans tes chaussures? Ah oui? Bah, c'était lourd! Bonjour. Oui? Vous êtes monsieur? Oui, je suis un monsieur. Non, comment vous vous appelez? Da Silva. Et votre prénom? Mon prénom, c'est Da Silva. Ah, d'accord. Excusez-moi, mais vous faites quoi dans le village? C'est quoi votre métier? Je suis cartographe. Ah, ça m'intéresse parce que j'aimerais savoir où se situe le village exactement. Ah, ça c'est facile, le village il est exactement ici. Ça c'est la France? Oui, avec le village là. Mais, excusez-moi, mais il manque l'Alsace et la Lorraine. L'Alsace et la Lorraine? Ah! Pardon, excusez-moi, monsieur. Oui, désolé de vous déranger. Vous êtes le forgeron du village, c'est ça? Je m'appelle Jérôme et là je fais un petit reportage. Vous appelez comment? D'accord. Je vous dérange peut-être, c'est ça? Je vais m'en aller. Donc, monsieur, vous êtes un peu la vigie du village, vous surveillez en cas d'attaque, mais qui est-ce qui pourrait vous attaquer? Les amiches! Les amiches pourraient nous attaquer! T'as rusé, un amiche! Ça se cache partout! Je vois pas! Mais les amiches, normalement, c'est un peuple pacifique! Hey, t'es pas amiche, toi? T'as une caméra! Tu me filmes! T'es pas amiche? Non, je suis pas. T'es sûr? Oui. Caroline? T'as pas dormi dans mon hamac cette nuit? Ça veut dire que tu m'en veux toujours? Bien sûr que je t'en veux, Dark. Mais j'ai fait tout ce chemin pour te prouver que je t'aime et que tu me pardonnes. Mais comment tu veux que je te pardonne, Dark? Tu m'as laissé aller me faire avorter toute seule. T'as été odieux avec moi. Et en plus, t'as séduit d'autres filles. Je suis désolée, bébé love, je me comporte comme un con. Je suis plus ton bébé love. Et en plus, en ce moment, j'ai d'autres chats à fouetter, hein. Régis m'a appris qu'il avait tué ma mère. Hein? Ouais. Régis a tué ma mère par accident. Ah bon? Écoute, Dark, ma vie est beaucoup trop compliquée en ce moment.
Je peux pas rester avec un mec qui réfléchit comme un cul. Cul. Chut. C'est simple, Dark. C'est quoi tes consoles de jeux vidéo préférées? La Xbox 360, la Wii, la DS. Voilà. Et Caroline? Elle passe après tout ça. Ben tu vois, Caroline, elle en a marre. Elle va pas appuyer sur continue. Entre toi et moi, Dark, c'est game over. Tu vois, c'est bon là, je parle avec un vocabulaire que tu comprends. Je suis désolé, Caroline. Avant, j'étais comme une merde dans mon peignoir et depuis que je t'ai rencontré, tu m'as fait découvrir un truc que je connaissais pas. La vie. T'es comme une mise à jour pour moi, Caroline. Avant, j'étais un programme. Je me levais, j'allais dans mon canapé jouer aux jeux vidéo et après, j'allais me recoucher. J'étais un programme. Mais toi, tu m'as fait passer à la version 2.0 de ma vie de merde. Maintenant, je vais dehors, je m'habille, j'ai changé de caleçon une fois, même tu m'as fait manger de la moussaka, et puis tu m'as fait découvrir le sexe. Tu m'as upgradé, Caroline. Et je me rends compte que je me comporte comme un con parce que je flippe de devenir adulte. Mais la seule personne avec qui j'ai envie de grandir, c'est toi. Je t'en supplie, Caroline, me reboote pas. Je comprends rien à ce que tu viens de dire. Je préférais quand tu parlais avec les poèmes de Jérôme. Écoute, Dark, je préfère qu'on en reste là, toi et moi, pour l'instant. C'est fini, Dark. Laisse-moi seule. C'est là la tabouse! Entrez!
T'es belle, maman. Et maintenant, je vais te tuer. Oh non, Régis. Tu peux pas tuer ta mère. En plus, elle dort. Mais non, elle dort pas. C'est fait exprès pour la tradition. Et puis, si je le fais pas, elle sera pas fière de moi. Non mais s'il te plaît, Régis, la tue pas. Ta gueule, ta pète, respecte mes traditions. Ah, tu filmes, Jérôme? Non, non. C'est, filme, filme. C'est pour faire des souvenirs. D'accord, mais tu dis pas mon nom alors. Tu veux le faire, Caroline? À charge d'en revanche. Chacun une maman. Non, 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 Régis. Merci, hein. Je t'ai pardonné. Hein. T'es sûr, hein, parce qu'après, on pourra pas le refaire. Ouais. Hey, Dark. Venez chez moi. Venez chez moi. Oh, Régis! Tais-toi et finis le travail! D'accord, maman. Parce que ça... Bon, maintenant je vous laisse, je dois acheter du papier crépant. Mes amis, mes frères, ma cousine, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page dans le grand livre de ce village. Ce village, c'est un peu comme un bateau. Non, si, non, 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 ce village, c'est un peu comme un mur. Et quand t'enlèves une brique d'un mur, eh ben ça fait un trou. Mais si t'enlèves toutes les briques du mur, eh ben il n'y a plus de mur. Je serai le ciment qui lie toutes les briques de ce mur. Mais j'ai beau être de ciment, mon cœur reste d'argile. Mais mes amis, vous me voyez triste. Vous me voyez triste de voir repartir tous mes amis chez Dark, sans moi. Mais non, mais Régis, si t'es le chef, tu peux changer les lois. Ta gueule, je fais mon discours, ta gueule. Mais non, mais Régis, si t'es le chef, tu peux diriger ton village depuis chez moi. Tu peux leur passer de temps en temps des coups de fil ou je sais pas. Toi, je parle. Oui, Régis, tu pourrais quand même changer la loi de la tabouse. Comme ça, vous arrêterez de vous entretuer. Et en plus, ça aurait évité de tuer ta mère. Ta gueule, je fais du travail. Mais Jérôme, fais quelque chose, là. Ah non, non, hein. Moi, je suis journaliste et ethnologue, hein. Je m'implique pas. Et c'est ainsi que Chita la Belle mangea toutes les bananes. Très bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire avant que je devienne le maire de ce village? Oui. Ah, oui. Tiens, je le connais. C'est Da Silva. Très bien. Da Silva, qu'as-tu à nous dire? Une fois, j'ai pété sur mes doigts, j'ai senti ma main, ça sentait la merde. Oh, très bien.
Quel travail fais-tu dans le village, Da Silva? Je suis cartographe. Non. À partir d'aujourd'hui, tu es le médecin du village. Par ce coup de marteau, je vais devenir le chef du village. Et je vais honorer la tradition et la famille.